Wow! Ça, c'était vraiment épique. Bienvenue à cette nouvelle saison, tout le monde. Mais... Qu'est-ce que tu fais, mais? Je me monte une tente. Oh, je pensais que tu étais en train de poser des rideaux. Ah! Tu fais ça à l'intérieur? Ben oui, cette semaine, on part du plein air. Le plein air, ça se fait dehors. T'es-tu malade, toi? Il y a plein de choses sauvages dans la nature. Il y a comme des bébites, des forêts. Voyons, mais tu vas dehors de temps en temps? Seulement si je suis forcée de le faire. C'est pas du plein air si t'es pas dehors. Ben oui, je vais manger de la nourriture pas cuite. Je vais porter des vêtements que je porterai jamais devant des êtres humains. Et je vais pas me laver. C'est comme toi la fin de semaine. Je prends ma douche des fois. Pas la fin de semaine. On s'écarte, là. C'est pas du plein air si t'es pas dehors. Je sais, j'étais dans les scouts. Toi, dans les scouts? J'étais loup gris et saisonnier de la meute colline des Louveteaux du 12e groupe des IEL des scouts de Lévis. Ah oui? Ben moi, je suis loutre blanche et princesse de la maison Gryffindor et j'ai gagné les Hunger Games. C'est ça, moque-toi, mais j'ai encore mon uniforme, je vais te le montrer. Oh, à bientôt, grand loup gris. Bloup, 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 c'est pas bloup. Ça le salut. Go! Comme le disait mon père quand je lui demandais ce que je pouvais faire quand je m'ennuyais dans la maison, dehors! Et on y est, dehors, le seul endroit qui n'est pas officiellement en dedans. Je vous présente Maya. Bonjour. Ainsi que Isaïe. Bonjour. Et une foule en délire. Alors les participants, vous devrez nous montrer vos habiletés en plein air en traversant cette course à obstacles de camping qui recrée exactement ma dernière expérience en camping qui se résume en trois mots, sueur, peur et mal de tête. Plus que trois mots, un vrai plaisir! Vous devrez d'abord vous approvisionner en eau dans ces bacs et remplir vos gourdes à l'aide d'une pompe naturelle, votre bouche. Puis vous enfilerez un sac de couchage et traverserez cette forêt, entre guillemets, comme si vous étiez deux gros burritos poursuivis par un ours la nuit. Et finalement, la plus dangereuse épreuve, monter une tente. Le premier qui termine est le roi du dehors! Prêt, pas prêt, dehors! Allez, on encourage, on encourage! Go, 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 go! Lentement, mais sûrement, ils remplissent leur gourde. Oh, Maya a découvert une technique qui lui permet d'aller à la vitesse de l'éclair. Elle a bientôt terminé de remplir sa gourde. OK. Je crois que Maya est bonne. Tu peux fermer ta gourde. Elle peut passer à la prochaine étape. Et voilà, prochaine étape.
travail de précision ici, un travail de précision. Maya qui a une certaine longueur d'avance en ce moment, une petite longueur d'avance. Même si je pense pas que tu survivrais dans le bois, félicitations Maya, bon travail, performance sans faille. Excellent Isaïe, bien joué. Vox Pop. Quelle est ton activité de plein air préférée? Moi j'aime aller nager. Une fois on est allé à Saint-Malo, puis moi mon activité préférée là-bas c'est courir du haut de la butte jusqu'à la fin de la butte et sauter dans l'eau. J'aime bien jouer dans les bois, à des jeux comme capturer le drapeau. D'habitude, quand il fait noir, quand tu peux te cacher dans des arbres ou dans le feuillage. Et je joue ça avec les scouts et c'est très amusant. Faire de la bicyclette parce que j'aime aller vraiment vite avec ma bicyclette parce que j'ai comme un long chemin qui va à un autre chemin. Alors j'aime aller là puis revenir à ma maison. J'aime faire l'alpinisme parce que c'est comme difficile, puis j'aime être dans les montagnes. La voile, parce que j'habite sur un bateau et c'est vraiment le fun, comme t'as l'impression comme de... t'as presque l'impression de voler. Et également, c'est comme... j'aime beaucoup le sentiment de liberté. Savais-tu que la plus grosse tente du monde a la superficie de 10 stades de soccer et est haute de 150 mètres? Elle contient aussi des squares, des rues pavées, une rivière, un centre d'achat, un mini-golf et une plage. Tadam! Bienvenue dans mon nouveau chez-moi. J'aimerais remercier mes parents et tous ceux qui ont cru en moi. Maintenant, c'est temps de faire un feu. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, là? Je suis en train de faire un feu. Mais tu peux pas faire un feu dans un studio. Mais comment je suis supposée faire cuire mes saucisses? Mais t'es pas en train de faire du camping, là. T'as pas besoin de faire cuire tes saucisses. T'es dans un studio de production de Radio-Canada. Il y a un tapis. Il doit y avoir un moyen de faire cuire mes saucisses en camping. Hein? Tu veux brûler, ce gars-là? Non. Avec son allure de dur, la ville reine n'a pas l'air d'un coin où on se la coule douce. Mais laissez-vous pas avoir par quelques fausses notes. Regina, ma soyeuse, tu es là pour moi. Regina, c'est une ville qui est là. Dès les premiers bonds au centre-ville, l'atmosphère festive de la capitale de la Saskatchewan te fonce en pleine face. Un conseil, embarque et tout va glisser. Enfin, presque tout. Et avant que tu comprennes ce qui t'arrive, tu vas tomber sous le charme, et pas toujours gracieusement. Regina, on fait peut-être le tour vite, mais on veut toujours y retourner. Arrêtez-moi! Bonjour, je m'appelle Noah, je vis à Gibson, en Colombie-Britannique. Qu'est-ce que je fais si je suis perdue en forêt? J'ai déjà vu cet arbre. Se perdre en forêt peut être dangereux. Il faut lutter pour survivre. Ça, ça demande des PAFS. Oui, des PAFS. Je vous explique. P, c'est pour préparation. N'explore jamais un lieu sauvage sans avoir au moins de quoi faire un feu, un couteau et un sifflet. Une trousse de survie peut aussi inclure une boussole, un sac de poubelle, une barre de protéines, un émetteur personnel, et de la corde. P, c'est aussi pour prévenir. Prévenir un ami de ton itinéraire pour qu'il puisse alerter les secours si tu ne reviens pas. A, c'est pour arrêt. Aussitôt que tu n'es pas sûr de ton trajet, arrête-toi. Et reste calme. Calme. Marque l'endroit et fais tes recherches en prenant toujours soin d'y revenir. Tu peux t'orienter à l'aide d'une boussole ou du soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. A, c'est aussi pour abri.
Tu peux survivre plusieurs semaines sans nourriture, plusieurs jours sans eau, mais seulement quelques heures sans abri contre l'ennemi numéro un, le froid. F, c'est pour feu. Il faut savoir qu'il est très difficile d'allumer un feu à l'aide du soleil ou par friction. Un feu, c'est pour rester au chaud, mais aussi pour purifier ton eau et cuire ta nourriture. S, c'est pour signaler. Si tu ne retrouves pas ton chemin, tous les moyens sont bons pour signaler ta présence au secours. Téléphone satellite, émetteur personnel, fusée de détresse, miroir ou simple sifflet. Quand les secours arriveront, tu seras heureux d'avoir gagné la lutte de la survie à l'aide des paf, paf, paf! Oups! On y va! Ah là, il faut que tu l'imagines avec le nœud. Et toi avec trois pieds en moins. L'uniforme est faite pour être ajustée au corps. Je pense qu'il est ajusté à l'âge aussi, Oli. Tu scoutes un jour, scout toujours. Parlant de devises, comme les scouts, mes saucisses sont toujours prêtes au bon moment. Un micro-ondes en camping. Ben oui. Qu'est-ce que tu ferais si t'étais vraiment dans le bois? Ben, j'amènerais une rallonge ou je le brancherais dans un arbre. Je sais pas par où commencer à t'expliquer. Je pensais que vous, les scouts, vous étiez toujours prêts. Ah, tu vois, même quand tu triches, c'est pas évident de faire du plein air. Mais je te mets au défi de faire du vrai plein air. Et cette fois-ci, là, je te jure que tu vas être contente de m'avoir avec les 30 nœuds que je suis capable de faire. Ah oui? Puis qu'est-ce que je gagne si je le fais? La récompense ultime, comme dans les scouts, un badge. Wow! Ouais, je sais, c'est malade. Puis c'est surtout impressionnant de penser que j'en ai autant. Là. OK. On se voit à ton défi. Voyons voir si Jasmine va nous préparer quelque chose de plus appétissant que ça. Quand je pense au plein air, je pense à quelque chose de rafraîchissant. Et quoi de plus rafraîchissant que des bons fruits frais? Aujourd'hui, je te montre comment faire de la purée à la mangue. Il te faut, évidemment, une mangue, du yogourt nature, du miel et une variété de fruits. Voici la marche à suivre. D'abord, regarde bien comment couper une mangue. Ça serait peut-être une bonne idée de demander à un parent pour ceci. La supervision et l'aide des parents sont conseillées pour cette recette. Coupe la mangue et ensuite, découpe des dés. Quand les dés sont coupés, retourne la peau et détache les dés. Maintenant, écrase la mangue avec une fourchette. Mélange la purée de mangue avec le yogourt et le miel. Et voilà! Pour accompagner ta purée, tu peux enfiler des fruits sur une brochette de bois. Des brochettes de bois. La recette est sur le site web. Donc, c'est pas grave si vous avez raté le début. Visite le site! Allez visiter notre site web pour trouver les recettes de Bouffe TV et voir les épisodes au complet. ici.radiocanada.ca/onyva et on est aussi sur Facebook. Vox Pop. Que ferais-tu si un ours t'attaquait? Je commencerais à courir, puis je courrais vraiment loin. Puis là, quand j'arriverais à ma maison, je pense que je m'évanouirais dans mon lit. On pourrait faire du bruit s'il ne te voit pas encore, mais s'il te voit et il a l'air très agressif, tu joues mort pour ne pas l'effrayer. Courir comme vraiment le plus vite que je pourrais, puis crier « Maman! 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 » parce que comme j'ai peur des ours. Alors... Je mettrais mes mains dans l'air et je ferais comme ça, et je ferais beaucoup de bruit, et je dirais « Non, tu peux pas passer » pour que l'ours soit effrayé. Ça
Savais-tu qu'un ours noir en hibernation peut survivre jusqu'à 100 jours sans boire, manger ou uriner et que son cœur peut ralentir jusqu'à seulement 8 battements par minute? Hey mate, tu me réveilleras dans 3 mois, je vais aller faire une sieste. Défi, on y va! Vous pensiez en avoir assez vu sur le camping? Eh bien non, ici on en donne toujours plus que le client demande. Voici des objets dont on sert en camping que vous reconnaîtrez comme des patentes ou comme on dit par chez nous, des guédis. Xavier. Yo. Et Alissa. Allô. Vous aurez 30 secondes pour mémoriser le plus de détails possible de tous ces objets et ensuite je testerai votre mémoire. Vous êtes prêts? Oui. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Changer de place, de l'autre côté. Si on touche pas aux objets, on déplace pas les objets. Et c'est terminé, on redescend. Et maintenant, le questionnaire. Première question, quel est le nom de la ville sur la carte? Parfait. Oh, un point du côté d'Alissa. Deuxième question, est-ce que la gourde était plus qu'à moitié pleine ou moins qu'à moitié pleine? Moins qu'à moitié pleine. Moins qu'à moitié pleine? Plus. Plus qu'à moitié pleine, 2 points pour Alissa. Quel outil était sorti du canif? Il y avait un canif, il y avait un outil sorti. Des pinces. Oui, des pinces, 1 point. Oh, 2-1. Quel était le seul objet de la couleur orange? La boussole. La boussole, 2-2. Oh, solide remontée ici. Et c'est la dernière question, quel objet n'avait rien à voir avec le camping? La graffeuse. C'était quoi ta réponse? Les bas. Non, c'était la graffeuse. Et c'est une victoire de Alissa sur un score de 3-2. Félicitations, Alissa. Pas grave, Xavier. Hein? Non. Pas besoin de pleurer. Hein? Pergélisol, une partie du sol sous la surface qui reste gelée pendant toute l'année. Exemple, au Nunavik, la profondeur du pergélisol peut mesurer environ 22 mètres. Oli m'impressionne pas avec ses badges. Je serais peut-être pas une bonne scout, mais je fais des bons badges. Meilleure batteuse de volant d'auto. Meilleure à découvrir des nouvelles saveurs de chips. Et... meilleur à vaincre le Bowser dans niveau 30 de Mario Bros. Comme humaine, je suis déjà pleine d'air, donc ça m'impressionne pas. Amène-le ton défi, Oli. Alors, je viens de finir de gonfler le bateau avec mes poumons seulement. On est à Jasper et May. Je t'avais dit que je te lançais un défi, je t'amène faire du rafting. OK, Oli, mais... c'est beau que t'aies gonflé le bateau par toi-même, mais t'as-tu déjà fait du rafting? Non. Olivier? Mais Peter, oui! Voici notre guide, Peter. Bonjour. Ça va bien? Oui, Peter. Oui, ça va. Alors, Peter, as-tu des chances de survivre à ce voyage-là? Un bon chance aujourd'hui. 50-50? Exactement. On adore. Le défi, c'est de rentrer dans ça ici. OK, ben... j'espère que tout va bien aller. Pas moi! Ça, c'est le Athabasca Rivière. Et ça fait combien de temps est-ce que tu fais du rafting sur la rivière ici? Ici, c'est mon troisième été pour cette compagnie. En Canada, on utilise un système avec 6 classes. Un, c'est juste l'eau avec un peu de mouvement. Et 6, c'est la mort. C'est... 6, c'est la mort. Alors, là, on est-tu sur 6 en ce moment? Non, ça c'est un 2. 2? 2, avec une section plus calme. Dans une section plus calme, on va lancer main dans l'eau. Aucun commentaire. Est-ce que vous voyez souvent des animaux quand vous vous promenez comme ça? De temps en temps, oui. C'est pas... normal à chaque journée, mais de temps en temps il y a des ours et les wapitis. Je suis la reine du monde!
monde! Ça me fatigue de ramer. Chaque rivière est dangereuse parce que l'eau, il change tout le temps. De temps en temps, c'est très haut, de temps en temps, c'est très en bas. Et il y a des choses dans le bas de la rivière, comme des roches, des arbres. Olivier? Oui? Cette rivière est aussi dangereuse à cause de l'eau, c'est l'eau glaciale. Et puis c'est très, très froid. C'est une bonne façon de se débarrasser de moi. Finalement, c'est toi qu'on va jeter à l'eau. Hein? Bye! On est arrivé! On a réussi! Enfin! Finalement, Ali, ton défi n'est pas si difficile que ça. Mais défi relevé. Quelqu'un qui adore être dans la nature. J'étais née dans un pays où ce que être dehors, c'est presque tout ce que tu fais parce qu'il n'y a presque pas de jeux vidéo. Moi et mon père, on court chaque samedi. Je marche à chaque jour. Je joue le soccer. Je suis sur une équipe double A. Je vais jouer au soccer chaque jour à la place à côté de ma maison. Une aventure que j'ai vécue au plein air, c'est que j'allais à la chasse avec mon père. Il y avait un ours qui a marché juste en avant de nous. Puis il s'est arrêté et il nous a regardés. Après, j'avais peur des ours. J'ai encore peur des ours. Mais si un ours attaque, je vais toujours être prêt. Bye bye. Vox Pop. As-tu déjà vu un animal sauvage? Oui, une fois, quand j'étais partie pour des vacances avec ma famille, on a pris un catamaran. C'est un bateau avec des voiles et on est allé sur une île et j'ai vu un énorme gecko avec toute sa famille. C'était vraiment cool. On roulait à côté de la plage, puis il y a un dingo qui est sorti. Un dingo, c'est un chien à peu près peut-être grand comme ça. C'est comme un chien, sauf que c'est sauvage. Ça a des oreilles pointues et c'est roux orange. Et puis il courait à côté de nous sur la plage. J'étais à mon chalet et je regardais par la fenêtre et j'ai vu un carcajou. Quand ma famille était en voyage entre Banff et Jasper, on a vu un bébé ours noir sortir sur la route et il a retourné dans les buissons. J'étais vraiment surprise. J'étais comme waouh, comme on savait même pas si la mère était proche ou pas. Bonjour, ici Samuel de Saskatoon. Pourquoi c'est important d'aller dehors? Savais-tu que l'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur? Voilà une de 1000 raisons pourquoi c'est important d'aller dehors. Un des avantages d'aller dehors est de s'exposer à la vitamine D, qui est bonne pour nos os et nos muscles. Notre corps produit de la vitamine D grâce aux rayons ultraviolets. On dit que 30 minutes par jour est un bon niveau d'exposition au soleil. L'extérieur est beau et bon pour la santé, mais il faut faire attention. N'oublie pas de porter de l'écran solaire pour ne pas te brûler la peau. Un chapeau va aussi te protéger la tête contre le soleil. Dehors, tu peux faire du sport, aller en vélo ou même simplement prendre une marche. Le plein air est une très bonne place pour faire de l'exercice. Aller au parc est très amusant, mais c'est aussi santé. Jouer sur une structure de jeu, ça travaille beaucoup de muscles, donc c'est un bon exercice. Être dehors n'est pas juste bon pour notre santé physique,
mais aussi pour notre santé mentale. L'air frais peut aider à te calmer et à réduire le stress. Après une bonne journée dehors, tu vas bien dormir. Savais-tu qu'un ermite aux États-Unis a vécu 27 ans dans la forêt sans aucun contact avec d'autres êtres humains? Je suis sûre qu'il sentait moins pire que toi. Je te l'ai dit que je prends ma douche des fois. Le quiz, on y va! Bienvenue au quiz dans le canot, un jeu questionnaire dans un canot qui n'est pas dans le bois, sur les coureurs des bois. Je suis avec Émile, Maëlle et Marielle. Fait que c'est ça. Je vais vous poser des questions. OK. Laquelle de ces entreprises n'était pas impliquée dans la traite de fourrures? A. La compagnie de la baie du Tison. B. La compagnie du Nord-Ouest. Ou C. La compagnie Taco Bell. Oui, Émile. La compagnie Taco Bell. Taco Bell, bonne réponse. Un point pour Émile. Lequel de ces hommes est considéré comme un célèbre explorateur et commerçant de fourrures? A. Pierre-Esprit Radisson. B. Louis Riel. Ou C. Pierre-Elliott Trudeau. Oui, Maëlle. C. C. Non. Pierre-Elliott Trudeau, mauvaise réponse. Oui, Émile. A. Pierre-Esprit Radisson, c'est une bonne réponse. C'est un des fondateurs de la compagnie de la baie du Tison. Alors, deux points pour Émile. Comment étaient surnommés les hommes qui passaient l'hiver dans des territoires éloignés et isolés pour y poursuivre la traite des fourrures? A. Les étrangers. B. Les hommes des bois. Ou C. Les hivernants. Ah oui, Marielle. Je pense que c'est C. C. Bonne réponse, Marielle. Un point pour Marielle. Quel article de mode populaire en Europe a contribué à augmenter la demande pour la fourrure en Amérique du Nord? A. Le chapeau. B. Le parasol. Ou C. Les bottes. Oui, Marielle. Le chapeau, bonne réponse. Deux points, c'est donc maintenant égalité. Alors, Alexandre Mackenzie était accompagné de combien de voyageurs quand il a complété la première traversée officielle du Canada en 1793? A. 4. B. 9. Ou C. 15? Oui, Émile. 9. Bonne réponse. Et c'est ce qui termine notre quiz sur un score de 3 à 2. Mais Émile, tu te mérites la victoire. Un 30 livres de l'or. Et une rame. Vox Pop. Rêves-tu de faire une grande expédition? J'aimerais grimper le mont Everest un jour parce que c'est le plus haut sommet du monde et je trouve que ça va être difficile et ça va être un bon défi pour moi. Je voudrais aller et marcher sur la Lune. Je rêve de faire une grande expédition avec mon père, d'aller jusqu'à l'océan avec un kayak. J'aimerais vraiment aller en Espagne ou au Portugal aussi pour aller voir des joueurs professionnels de soccer. Je suis vraiment passionnée du soccer. Fait, un de mes joueurs préférés, ça serait Cristiano Ronaldo. Puis j'aimerais vraiment ça aller le voir, avoir une signature, puis aller voir un match de lui. Fait, aller voyager en Espagne, dans le fond. Maintenant, c'est à ton tour. Rêves-tu de faire une grande expédition? Envoie-nous ta réponse pour courir la chance de gagner des prix, comme de beaux vêtements de la collection On y va! Le nom du gagnant ou de la gagnante sera choisi au hasard et annoncé seulement sur notre site Web. Visite-le pour voir si tu as gagné. Tu retrouveras aussi plein d'autres infos et tous les détails sur le tirage. Un petit rappel de la question de cette semaine. Rêves-tu de faire une grande expédition? Bonne chance! Oh non, t'as enlevé ton uniforme! Je suis plus le scout que j'étais, j'ai décidé d'accepter ça. Ben, je t'avais fait un badge! Ah oui? En fait, deux. Premier pour meilleur en camping extérieur. Merci, mais c'est cool. Et le deuxième, c'est pour meilleur ami sur lequel on peut compter. Je pensais vraiment pas aimer ça, la nature, mais t'es vraiment fiable. Wow, mais... Je sais pas quoi dire. Dis-moi que tu vas me trouver une place où aller brancher mon micro-ondes quand on va faire du vrai camping. Mais c'est impossible. Ali, je te jure. OK, 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 je vais trouver ça, mais à condition que tu promettes de plus jamais essayer de faire le feu dans le studio. Voyons, Ali. Ami sur laquelle on peut compter. Cool. Wow. La semaine prochaine, on fait de la musique. Qui a créé les premiers instruments? Le 45 tours contenait seulement une chanson par côté. Où t'es, papa, où t'es? À bientôt! Y a rien comme le plein air pour se débarrasser d'une classe tannante de sixième année. Hey!